الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Ah, les sorciers djinns. Et quelle était la mission de vos sorciers djinns à Mayotte? Il y en avait plusieurs. Oui, comme quoi? La débauche, la perversité, les viols, les meurtres. Donc, c'est eux qui poussaient ces groupes d'adolescents, de jeunes, à faire la criminalité, le banditisme. Oui. Entre autres. D'accord. Ok, il reste quelque chose encore dans tous ces djinns-là? Ou bien tout le monde est venu? D'accord. Donc, au début, un djinn avait dit que c'est les sorciers de Mayotte parce que leur business est en train de diminuer du fait que les gens délaissent ça, qui ont fait des sorcelleries pour créer ces jeunes délinquants. Comme ça, ils auront besoin de la sorcellerie toute leur vie pour faire les crimes. Et puis après, on nous dit qu'il y a aussi les francs-maçons qui viennent de métropole et qui font ça pour créer des problèmes à Mayotte. Donc, il y a les deux côtés. Ben, il y a les sorciers de Mayotte, mais qui travaillent pour eux. Oui, pour leur... Les sorciers de Mayotte, en plus, qui travaillent pour les francs-maçons de métropole. Oui. Et les francs-maçons de métropole qui ont leur propre sorcier aussi pour que les choses dégénèrent. Il y a ceux que les autres envoient. Oui. Et il y a ceux que les propres familles appellent. Et ça fait un clash entre eux. Et au premier qui gagne, ben, il y a du sang qui coule. Et ça fait partie des sacrifices qu'ils cherchent. Très bien. Voilà. D'accord. Et les djinns que les Maoris adorent traditionnellement avec les assiettes et les rumba et le vin qu'ils versent et tout ça, ces djinns-là sont venus? Pas tous, non. Allez, on va chercher tout ce qu'on peut ramener, Inch'Allah. وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ 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 وَلَا تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ Pardon? Ils ne sont pas qu'à Mayotte. Ils sont aussi au Comores. Ils sont dispersés un peu partout, même en Europe. Les Maoris. Oui. Oui, on va prendre leur... Ils continuent partout dans le monde. Oui, même s'ils sont hors de Mayotte... Ils font leur rituel. Ils font leur rituel. Oui. Donc, on a besoin de tous ces djinns-là. Mais ça fait un paquet. Oui. Que ça, Allah Ta'ala fera ça facilement, Inch'Allah. وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ حَقًا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا Oui, le blanc qui parle. Eh bien, on s'en fout de ce que tu dis. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Pourquoi? Vous préférez tu les... Tu fais le malin. Oui, j'essaye. Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que je compte faire? Oui. Ben, je vais appeler mon patron pour m'aider. Tu n'es pas patron. Non, je ne suis pas patron. Tu fais ça comment? Ah, comment j'ai fait pour vous ramener? Oui. Eh bien, ça, mon patron va vous expliquer.
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. Pourquoi c'est toi qui parles? Je dis ces paroles, c'est comme ça. Concentre-toi, tu vas comprendre. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Oui, ça t'a plu? Les oiseaux qui sont démembrés, qui se reforment. Pas tu, mal. Tu veux ça? Non, je viens de voir ça. Pourquoi, je ne sais pas. C'est un tour de magie. C'est bizarre, c'était pas ce que j'avais lu. Je sais, mais c'est ce que j'ai vu. Bon, alors on va essayer autre chose. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا. D'accord, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je ne sais pas non plus. Bon, alors on continue. Et c'est pour ça que je te demande pourquoi j'ai vu ça, alors que c'était pas les paroles. Ouais. On voulait me montrer un miracle. Est-ce que toi tu veux voir un miracle? Je viens de le voir. Ça t'a convaincu? Les sorciers sont capables de beaucoup de choses. Mais pas de ressusciter les morts quand même. Oui. C'est ça qui m'étonne. D'accord. Alors, essayons un autre. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Ok, vous connaissez encore des djinns dans les traditions mahoraises avec les ancêtres, avec les assiettes, avec les rumbas et tout ça? Les ziyaras? Non, vous n'en voyez plus. Bien, alors je voudrais que vous adressiez un message à la population mahoraise, surtout ceux qui pensent encore attacher les traditions. Parce que... Attends. Oui. Et je suis là, comment tu veux que je leur fasse passer ça? Alors, est-ce que tu vois cet écran devant toi? Boîte, oui. La boîte, voilà, dans la boîte. Cette boîte, ça enregistre. Ça enregistre et après on met ça dans la télévision, on met ça sur internet. C'est comme ça qu'on fait des films et qu'on fait des choses qu'on voit sur internet. C'est avec la boîte qu'on enregistre. Donc quand nous on parle, ça s'enregistre et après moi je mets sur internet, sur YouTube, et puis les gens partout ils peuvent voir. Donc toi aussi. Je ne sais pas si j'ai tout compris, mais ça fait passer le message. Voilà, donc toi tu vas parler. Et puis, tout le monde va écouter, enfin, tous ceux qui vont regarder. Alors, je veux, parce qu'il y a quelqu'un à Mayotte, récemment, qui a dit que tous les problèmes de Mayotte, c'est parce qu'ils ont arrêté le culte des ancêtres. L'animisme, les ziyaras, que tout ça, ça a diminué. C'est ce qu'ils veulent faire croire, oui. Et que même il y a des gens qui vont détruire les endroits où ils font les rituels, où ils mettent les assiettes. Et ils disent, c'est pour ça qu'on a tous ces problèmes. Et donc, lui, il encourage tout le monde à revenir dans ce culte des ancêtres. Alors, je vais revenir sur une chose. Oui, nous vous écoutons. Essayez de parler un peu plus des fort. Jeunes oui. Qui font des tapages. Oui. Qui ont été envoyés et payés pour. Et ils sont embarqués d'autres avec eux. Mais les autres ne savaient pas que eux, ils étaient déjà envoyés et payés pour mettre le désordre et le chaos. Et qui les a payés?
Je ne sais pas si je dois le dire. Je crois qu'il faut mieux se taire. Bon, d'accord. Donc ces groupes de jeunes qui ça a été voulu, il y a des gens qui ont payé des jeunes et ces jeunes-là ont ramassé les C'est petits. pour toute chose où il y a de la provocation. C'est des gens au début qui ont été payés, qui ont payé d'autres pour travailler avec eux en croyant que c'était la bonne chose. D'accord. Mais il y a toujours les spécialistes là-dedans. Eh bien, nous espérons tous que ces patrons de criminels seront un jour attrapés. Et moi, personnellement, je préfère la justice populaire que les gens qui ont C'est été quoi ça, la victimes. justice? La justice populaire. Parce que ces gens-là, si on les attrape et qu'on les emmène au tribunal, ils vont avoir quelques années de prison au maximum. Mais si les gens les attrapent et les gens savent que c'est à cause d'eux qu'il y a eu tous ces morts, tous ces viols, tout ça, les gens, ils vont leur régler leur compte sur place. C'est la justice populaire. C'est-à-dire, c'est Tu la crois que le population. créateur de ça? Le Créateur. Ouais. Alors, le Créateur, Allah dit: Innama jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ard. C'est trop fort ça. La punition du banditisme, c'est la mort ou la crucifixion ou de couper la main et le pied droite-gauche alternés Et ou tu de. continues comme ça, tu vas te faire couper la tête. Bon, je vous dis, pour moi, des gens qui ont été la cause de tous ces meurtres et de tous ces viols, ce n'est pas cher payé que ce soit la peine capitale. Mais en tout cas, c'est un autre débat. Moi, je vous et merci beaucoup pour cette information qui ne m'était même pas passée par l'esprit. Mais par contre, ceux qui veulent revenir aux assiettes et aux rumba et aux ziara, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Eh ben, ils vont direct dans le mur, ils vont à leur perte. Parce qu'après, ils appartiennent au génie, plus personne peut les sortir de là. Je crois que même le créateur les a laissés tomber. Voilà. Donc, c'est pas ça qui va faire que ça va aller mieux, au contraire. Donc toi, tu faisais partie Et des... le problème, c'est que les générations vont payer pour ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, quand ils font ces cultes, ça va condamner leurs enfants et leur descendance. Voilà. En tout cas, il y en aura toujours dans les familles qui vont payer pour ce qu'ils ont fait. C'est comme ça et pas autrement. Allez, nous allons regarder toutes les sorcelleries que vous pouvez voir. D'accord. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. Faites attention quand même aux pourparlers des politiciens. Quand on cherche, on change un politicien par un autre. Il y a toujours pire. Faites attention, c'est que des mots qui sortent de leur bouche. Voilà. Et à Mayotte, il y en a qui ont échangé par pire. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين فقاتلوا أولياء الشيطان. Et voilà, mes frères et mes sœurs, qu'Allah Ta'ala nous aide. En tout cas, vraiment, cette situation à Mayotte nous fait beaucoup de peine et de tous ces crimes. Et contrairement à ce que disait cette personne, qu'il faut retourner au culte des ancêtres pour régler le problème, non, ça ne va que augmenter le problème. Donc, Inch'Allah, j'espère que la conversion de tous ces djinns va réduire ce problème de délinquance et de banditisme. Et vous avez entendu, c'est ce que nous conseillons tout le temps, laissez le shirk, laissez le culte des djinns, ça ne va jamais vous apporter du bien, ça va vous faire du mal, et en plus, ça va faire du mal à votre descendance. Qu'Allah nous aide et nous guide. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Website Syekh Abdurrauf bin Halimah ada di www.benhalimahabdurrauf.fr. Silakan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Masuk Islam itu sangat mudah dan dosa-dosa kalian sebelumnya akan dihapuskan, seperti bayi yang baru lahir. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafara majelis. Agar amal baik kita kekal sampai hari kiamat dan dosa-dosa kita diampunkan Allah Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.